Bonjour, je me présente, je m'appelle Harry Marcange, je vais aujourd'hui représenter la classe du Tarbes, la classe de 3e. Donc, je vais vous parler du sous-marin Casabianque. Donc, à la base, le sous-marin Casabianque devait s'appeler le Casablanca, et le nom fut changé par le ministre de la Marine, Monsieur Pietre, donc un ministre de la Marine Corse. Il a changé le nom pour rendre hommage un marin corse, Luc Casabianque, qui s'est illustré durant des batailles navales napoléoniennes. Donc, on a choisi de parler du sous-marin Casabianque tout d'abord parce que on l'oublie, on a peur qu'on l'oublie, on ne veut pas que cette histoire soit oubliée parce que ces gens se sont battus pour nous. Ils ont été courageux, c'est grâce à eux aujourd'hui que on est là, qu'on vit comme ça, donc on les remercie, on ne veut pas qu'on les oublie. Donc, je vais vous raconter l'histoire du sous-marin, comment ça a commencé. Ça a commencé au port de Toulon, où ils ont désobéi à l'ordre de Vichy qui leur a ordonné de saborder leur sous-marin. Donc ils ont décidé de désobéir et de partir à Alger. Donc, une fois arrivés à Alger, ils ont continué de lutter pour libérer la Corse et la France, donc notamment en livrant des armes, des munitions, des agents. Ils ont aidé à faire la résistance. Donc, pour ce projet, on a travaillé en groupe, on s'est réparti les tâches, donc on a fait des recherches, on a regardé par exemple les membres d'équipage, on a demandé les noms au musée de Toulon. Donc, on a travaillé en groupe et au final, on s'est un peu reconnus parce qu'on était. On s'est reconnus aux membres d'équipage, on est soudés comme eux. À force de parler de ce sous-marin, c'était plus un sous-marin. Pour nous, c'était comme une personne. On le connaît maintenant. Les membres d'équipage, comme je l'ai dit, on se sent comme eux, on se sent soudés. Et pour finir, j'aimerais dire que grâce à la libération, après la libération de la Corse, l'île a été point d'appel très important pour libérer le continent européen et pour aider la résistance à se libérer des ennemis. Merci. Donc, on a commencé en 4 parce que on n'avait pas le temps sinon. Donc on a commencé en 4e, on a réussi à finir le projet en juillet, on a fini fin juillet. Et donc voilà, pour le présenter aujourd'hui, on l'a présenté à Ajaccio, on espère aussi le présenter dans des classes de Corse du Sud. Et voilà. Mes camarades et moi faisons partie du lycée avant de faire cette classe, la classe préparatoire vise à apporter un approfondissement dans le domaine des arts classiques et à pouvoir prétendre au concours des écoles supérieures théorie et pratique, et même en avançant un petit peu d'activité professionnelle avec des colloques, des workshops, des collaborations avec d'autres artistes. Et donc, elle va permettre aux étudiants de participer sur le projet d'un film, qui est un film qui va proposer à la fois des images d'archives et de l'animation. Donc,
respectent pas les anciens élèves de la prépa et les professeurs, et donc qui va commémorer les 80 ans de la libération de la Corse. Alors, nous, on n'a pas travaillé dessus, on a fait un peu de temps avec tout ça. Donc, on a un petit peu suivi, comme on a dit, parce qu'on était au lycée, donc on a fini. Alors, Merci beaucoup. Hein. À vous, donc à la promo du sud. Très fier en fait pour le collège, pour nos équipes qui ont travaillé, pour nos élèves aussi de vous recevoir ce soir. Bonjour. 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 Alors. Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Voici le serment prêté par des milliers de Corses à Bastia, le 4 décembre 1938, devant les monuments aux morts, en réponse aux revendications territoriales de Mussolini, réaffirmant l'attachement de la Corse à la France. Malheureusement, à partir du 11 novembre 1942, les troupes italiennes auxquelles se joignent des troupes allemandes envahissent la Corse. Le 25 juillet 1943, le débarquement allié sur la péninsule italienne et la destitution de Mussolini ouvrent la voie à une insurrection libératrice. Mais pour cela, il faudra attendre le 8 septembre et l'annonce de la signature de l'armistice par l'Italie. Le 9 septembre, la capitale de l'île se soulève. La foule envahit l'hôtel de ville, puis la préfecture, proclamant le ralliement de la Corse à la France libre et transfère le pouvoir à un conseil de préfecture du Saint-Mal. Symbole de l'unité de la résistance et de la France combattante, ce conseil réunit gaullistes, girondistes et communistes. Dans l'action résistante et de fait, dans la libération de la Corse, ces derniers ont joué un rôle prépondérant. Les premières cellules communistes corses sont apparues dès 1921 suite au concours de Tours. Dans les années 1930, le Parti communiste français commence à prendre de la force dans l'île, notamment à Bastia. Des travailleurs issus de l'immigration italienne, des dockers et des marins ont fait front commun avec des syndicalistes et des fonctionnaires dans les luttes sociales puis au sein du parti. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui a vraiment favorisé un développement à grande échelle. Suite à l'arrivée des troupes italiennes en novembre 1942, les communistes corses créent le Front national. Il permet au fil des mois une implantation de l'organisation résistante dans toutes les villes et fait apparaître le parti comme le fer de lance de la lutte pour que la Corse devienne française. En effet, le maréchal Pétain est accusé de vouloir donner la Corse à Mussolini. Le Front national est à l'initiative de la plupart des actions de propagande et de combat et s'ouvre à des noms communistes. C'est alors devenu le plus important mouvement de la résistance en Corse. L'interlocuteur privilégié de la France libre, dirigé par le général de Gaulle. Le Front national se structure notamment lors de la conférence de Pau,
en mai 1943. François Vitot en est le responsable militaire et Arthur Jouvreul le responsable politique. AG le reconnaît alors comme mouvement de résistance et envoie des missions et des armes par son marin. L'été 1943, le Front National s'impose comme l'unique mouvement de résistance en Corse. Malgré la répression féroce, la direction du PCF, composée de Raoul Benigni, Léo Miquet et Pierre Pagès, à laquelle se sont joints François Vitot et Arthur Jouvreul, décident à la suite de la chute de Mussolini de déclencher l'insurrection le jour de la capitulation italienne. Celle-ci intervient le 8 septembre 1943. Le 9, le Front National lance l'insurrection. C'est 12 000 hommes en armes et berlines avec l'aide d'un corps expéditionnaire français intervenu sur le terrain. Le Front National a ainsi sa force et son influence en étant à l'origine de trois faits majeurs. Il a lancé l'insurrection contre les troupes allemandes qui refluaient de Sardaigne, poussant la France libre à faire débarquer sur l'île des troupes venues d'Alger, créant ainsi les conditions pour que la Corse soit le premier territoire français métropolitain libéré. Le PCF a par ailleurs bénéficié du sacrifice de plusieurs militants d'origine corse, comme Gabriel Péri, Daniel Casanova ou encore Jean Nicole, et parmi les militants communistes, certains, Albert Perrache. Instituteur, résistant, militant communiste, Albert Perrache a été choisi pour donner son nom au collège de Bonifacio. Voici un modeste résumé de sa vie. Né le 5 juin 1920 à Bonifacio, fils de berger, il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Élève du cours complémentaire de Bonifacio, il entre à l'école normale d'instituteurs d'Ajaccio en 1938. Sa formation dure 3 ans et il enseigne notamment à de Porto Rico. En 1939, il adhère au cercle culturel sirmien, créé par Arthur Jouvreul, qui devient un foyer de résistance communiste à l'occupation fasciste. Dès l'entrée en Corse des troupes italiennes, le 8 novembre 1942, Albert Perrache s'engage dans des activités de résistance. Il s'agit d'abord d'une propagande antifasciste dans une moyenne rive de Bastia grâce à la complicité des cheminots sur la ligne qui joint alors Bastia à Porto Rico. En mars 1943, il rejoint les rangs du Front patriotique des jeunes pour l'extrême sud. Dénoncé en mai à Louvain, l'organisation de la surveillance et de la répression de l'antifascisme, il devient un clandestin et il poursuit son engagement. Grâce aux résistants, la Corse reçoit des armes d'Alger, soit par parachutage, soit par la voie maritime empruntée par le sous-marin. Albert Perrache appartient alors au groupe formé par Joseph Pierre, un officier de réserve gaulliste qui initie les patriotes au maniement des armes. C'est ainsi qu'il participe à la réception de parachutage à Cannes et à Porto-Bé. Les actions sont de plus en plus audacieuses car la répression exercée dans l'île par l'occupant italien se durcit. Un indicateur italien est tout d'abord capturé puis exécuté par le groupe de Joseph Pierre. Puis les 24 et 25 juillet, il tente de prendre en otage un officier supérieur italien en poste dans la Taro avec l'intention de l'échanger contre Jean Nicole, mais la tentative échoue. Peu de temps après, en septembre 1943, lors de la libération de la Corse, Albert Perrache combat contre les Allemands à l'hôpital et dans la région de Sainte-Lucie de Porto-Bé, aux côtes de soldats arrivés d'Alger. Il est mobilisé en novembre 1943, au lendemain de la libération de la Corse. Il est alors transféré en Algérie où il reçoit une instruction qui dure jusqu'au débarquement en Provence. Il participe à celui-ci en août 1944 dans les rangs d'un régiment de tirailleurs algériens. Quand l'armistice est signé le 8 mai 1945, il se trouve dans le Württemberg. Démobilisé en août, Albert Perrache y rentre en Corse par la suite. Il se consacre alors à son rôle de militant communiste et de responsable dans la direction départementale de son parti. Installé plus tard en région parisienne, il est nommé directeur d'école avant de prendre sa retraite en 1974. Il revient alors en Corse et poursuit son action politique. Il meurt le 16 décembre 2010 à Ajaccio. Pour rendre hommage à ce résistant corse et dans le cadre de l'enseignement bilingue dispensé au collège de Bonifacio, voici une présentation de sa vie en langue corse. Nato em Bonifacio, o 5 de junho de 1920, Albert Perrache é instituteur, resistente e militante comunista. Em 38, entre a escola normal de instituteur da Ajaccio, e ensinará a arte em arca de português. Quando Giugini e troupe italiana em Córsega, lote de novembro de 1942, Albert Perrache se lampa em uma resistência. De março 1943,
raggiungi un fonte patriottico di giovani. L'iniziato di maggio allora diventa un clandestino. Albert Ferracci raggiunge un gruppo formato da Joseph Pietri e partecipa a redizioni di parapoliti giunti d'Alger, Cagna e in Portoregio. Azioni più maggiori saranno importanti dopo come a prova di rapimento di un ufficiale italiano per scambiare contro Jean Nicole. Di settembre 43, durante i combattimenti per la liberazione della Corsica, Albert Ferracci si batte contro l'Allemagne a Ospedale e un rouge di Santa Lucia di Portoregio. È mobilizzato di novembre 43 quando è trasferito in Algeria. Partecipa a un sbarco in Provenza d'agosto 44. Quando è firmato l'armistizio, l'8 di maggio di 45, si trova in Württemberg e smobilizzato da Ossa e si ne volta in Corsica. Si consacra tanto al suo ruolo di militante comunista, è nominato direttore di la scuola in Rouge parigino, prima di pidare a suo ritratto in 74. Tanto si ne volta in Corsica e perseguisce la sua azione politica. Muore il 16 di dicembre di 2010 in Alagio. Nos colleghi di Bonifacio, siamo molto fieri che il nostro collegio porta un nome da Ferracci. Que notre collège ait été choisi pour porter le nom d'Albert Ferracci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas faire de discours, mais avant d'aller amener les enfants dévoiler la plaque, je voudrais quand même dire deux mots pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion, car je crois que c'est un véritable exploit que de voir un président de la République revenir, je dirais, 3 ans, presque jour pour jour, après un engagement qui avait été pris. Alors, j'avais l'habitude, puisque l'engagement avait déjà été pris pour venir une première fois à Bonifacio, je me suis dit, ça ne va pas être possible, ça relève de l'exploit inimaginable. La réalité, c'est que vous êtes encore là, Monsieur le Président, aujourd'hui, et je ne peux y voir qu'une marque d'affection pour la commune de Bonifacio. Je crois que je suis très fier, moi, des relations personnelles et politiques que j'ai avec vous. C'est, je répète, un grand, grand honneur. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'est d'autant plus remarquable que depuis Charles Quint, aucun président de la République en exercice n'avait mis les pieds à Bonifacio. Alors, je ne sais pas quel destin ça vous laisse envisager, mais je vous ai donné la référence qui est la nôtre ici à Bonifacio. Je veux simplement dire deux petits mots par rapport à ce choix. J'ai encore plus de fierté à être ici avec vous aujourd'hui, dans ce moment, dans ce lieu précis du Collège de Bonifacio. Parce que, Monsieur le Président, le 25 mars 2010, j'ai eu la chance d'être vice-président de l'Assemblée territoriale de Corse. J'ai eu la chance d'être le vice-président de Dominique Bouquillon, à qui je vais avoir une pensée ce soir, parce que j'ai été fier d'être son vice-président, parce que c'est un homme politique remarquable, et que j'aurais été heureux qu'il soit avec vous. J'ai choisi cette date, Monsieur le Président, pour une raison simple. Ma mère est ici présente, et je sais qu'elle est émue à l'idée d'être ici, et elle est doublement. Parce que ce 25 mars 2010, dans les travées un peu là où j'étais ce matin, lorsque Albert Ferracci est venu la voir pour lui dire que sûrement ma grand-mère, militante communiste, devait être fière de m'avoir accédé à cette responsabilité, j'ai compris lorsque votre mère vous dit ça et lorsqu'elle vous dit, alors qu'elle a été enseignante, que son modèle politique, que son modèle d'instituteur était Albert Ferracci, j'ai compris que c'était pour moi un véritable honneur que d'entendre cela. Et je suis sûr donc que ma grand-mère a été fière. Je suis sûr qu'elle a été fière parce qu'effectivement, elle était communiste et je crois que la grandeur de notre pays, c'est de pouvoir dépasser les clivages, les divisions et s'attacher fortement aux valeurs de la République qui transcendent les partis lorsque cela est nécessaire.
et donc nous retrouver ici 80 ans plus tard pour défendre cet idéal. Et Monsieur le Président, j'espère que personne ne m'en voudra de citer particulièrement un élu présent ici, je citais Fabien Roussel. C'est un honneur, monsieur, que vous soyez là à nos côtés aujourd'hui, en tant que député de la nation, en tant que secrétaire national du Parti communiste, parce que je sais, au regard des différences qui sont les nôtres, et nous en avons discuté, c'est vrai, je suis un membre, et j'assume fièrement d'être un membre de Renaissance, mais j'assume aussi d'approuver très souvent vos positions publiques, claires, nettes et précises, qui font honneur à la gauche à laquelle je crois. Car quand la gauche n'est pas sur les positions qui sont les vôtres, elle n'est plus la gauche et elle n'est plus la République. Et donc aujourd'hui, que vous soyez ici, dans ce collège, est une véritable fierté pour la communauté bonifacienne, et je voulais vous le dire. Je voulais terminer en disant que justement, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis ce choix. Le conseil municipal de Bonifacio, monsieur le président qui a fait ce choix, l'Albert Ferrage, cette figure, et je crois que je vais rien dire après ce qu'ont dit les enfants, tout a été dit, toutes les raisons qui justifient que cet homme aujourd'hui voit son nom sur le fronton de cet édifice public ont été expliquées par ses enfants. Il est un symbole, il est la matérialisation, l'incarnation de ce pourquoi nous nous battons, de ce pourquoi une école est faite, et ça c'est pour nous quelque chose de formidable. Donc je remercie le conseil d'administration, le conseil municipal de Bonifacio d'avoir fait ce choix. Je remercie le conseil d'administration du collège de Bonifacio d'avoir fait à l'unanimité ce choix. Et je remercie Gilles Siméone et l'ensemble des élus de la collectivité de Corse d'avoir fait ce choix. Je ne peux pas, Gilles, à ce moment-là de mon intervention, oublier. Et en revenant encore sur cet idéal et sur ce qui nous rassemble, qu'Albert Ferrage, en 1975, lors du procès de ton père, a été un de ces hommes politiques capables de dépasser les appartenances partisanes pour venir témoigner de ce que j'ai entendu ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. La nécessité que l'ensemble des élus de cette île puissent dépasser les clivages pour respecter le suffrage universel, pour assurer le bien commun. C'est ça qui nous rassemble les uns les autres, et c'est pour ça que je suis fier de nous amener maintenant, Monsieur le Président, dévoiler cette plaque. Merci beaucoup, merci infiniment. À vous. Elles seront imposées à l'entrée du collège. Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais à mon tour vous remercier, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté d'honorer de votre présence l'ensemble de ces résistants, ces résistantes, dans leur diversité, communistes, gaullistes, qui se sont engagés pour que nous puissions vivre libres dans la République aujourd'hui. Ils y ont laissé leur vie pour certains, d'autres ont été déportés, comme Daniel Casanova, que nous avons honoré ce matin. D'autres ont survécu, ont continué leur engagement pour que nous puissions toujours continuer de vivre libres en République, ici en Corse ou sur le continent. C'est un honneur, par votre présence, qu'on puisse aujourd'hui leur rendre hommage, et je souhaite éperdument que, en donnant le nom d'Albert Ferrage à ce collège, on puisse continuer, à travers les générations, de faire vivre leur histoire, parce que ce combat n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours l'avoir en tête, et c'est ce devoir de mémoire qui nous permet d'avancer. Et donc, votre présence
et la mienne, au nom de ma formation politique, permet de leur rendre hommage à toutes et à tous dans leur grande diversité. Et c'est cette union de la France au service de la République qui est certainement la plus belle des unions que nous devons célébrer. Merci. Je n'avais pas prévu de parler, et tout a été très bien dit. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir, et merci du choix que vous avez fait collectivement, voilà, de donner ce nom d'Albert Ferrat à cet établissement scolaire. J'ai longuement parlé ce matin, essayé d'ouvrir une voie avec beaucoup des élus qui sont là. Et en parlant ce matin, je rappelais cette page d'histoire de notre nation et plus particulièrement de la Corse. Rappelez d'abord que cette terre n'a pas livré les Juifs, elle les a protégés. Et elle a servi l'idéal républicain quand beaucoup d'autres l'avaient abandonné. Et qu'en effet, la Corse est la première terre de France métropolitaine qui s'est libérée par le courage de cette résistance intérieure corse et cette réunion de toutes les forces politiques et en particulier des communistes que nous avons honorés ce matin et dont nous honorons encore un des noms prestigieux ce soir. Et on a eu l'occasion tout à l'heure à Bastia de remercier aussi d'autres forces qui sont venues s'adjoindre comme les goumiers et les tirailleurs marocains que je n'oublie pas dans ce moment. Et donc pour moi célébrer ce nom et cette histoire, c'est aussi permettre à nos jeunes, génération après génération, de ne pas oublier cette part de leur histoire, de notre histoire, et aussi cette composante que vous représentez, monsieur le secrétaire national, monsieur le député, le Parti communiste français, qui, en sachant s'allier avec d'autres, a joué ce rôle essentiel en Corse ici et pour tout le pays. Et je pense que vous l'avez compris, votre présence parmi nous ce soir a beaucoup de sens. Et je dois dire que pour moi, elle correspond à l'esprit auquel je crois. On sait les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres ici, la capacité à les dépasser pour l'intérêt de la nation, l'intérêt général, et précisément ce qui nous rend plus grands, sans diluer ce qui nous distingue. Et puis je voudrais avoir un dernier mot plus personnel. Il se trouve que j'ai eu la chance, il y a quelques décennies, de croiser Albert Ferrat. Et je voudrais avoir un mot pour Pierre et Marc, fils et le petit-fils, parce qu'ils m'ont toujours accompagné avec beaucoup de fidélité. Et je crois qu'ils ont continué chacun dans leur vie professionnelle et leurs engagements à porter du combat d'Albert Ferrat. Tu me disais la chance de le voir et de lui parler. Et je peux dire qu'il ressemblait beaucoup à la description que vous en avez faite. Un homme de dignité, de valeur, de pudeur, comme vous l'êtes souvent d'ailleurs, ici, qui était attaché à ses combats, attaché, comme je le disais ce matin, tout à la fois à l'identité de la Corse et à la République, à son ancrage et au combat pour l'universel que vous portez et que nous portons tous. Et c'est dans ce tremblement qu'il y a une part de nos vérités. Donc, merci Pierre et Marc d'être avec nous ce soir, je suis très fier à vos côtés de faire ce geste. Merci à tous. Thank you.
une photo avec toi. Thank you.
Je pensais que vous veniez pour l'occasion. Bon anniversaire.